Alors, on va travailler sur chat. 4 à l'un. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a fait, on était 4, on travaillait sur le SAG. On peut créer des channels, on peut les créer dans le backend, mais on ne peut pas les exploiter dans le frontend. On peut switcher dans le channel quand on clique dans la side, ce qui n'était pas possible avant. On fait les get messages, il y a aussi les put messages, donc on a des vrais messages maintenant, il n'y a plus de mock sur les messages, donc on les stocke, on peut les récupérer l'historique. On travaille sur le header, donc ça fait partie de ce qui est UI. To be done, il n'y a pas juste ElectronJS, ElectronJS aujourd'hui, il y a Stéphane qui a travaillé dessus, donc il se trouve que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait, parce qu'en fait, le but, c'était de pouvoir prendre un OSM module et de le foutre dans Electron et de démarrer une application. Donc l'idée, c'est de prendre l'OSM module de chat, faire Electron, une commande Electron, et puis pouvoir démarrer l'application de chat directement sur desktop. C'est un peu plus compliqué, il faut minifier, il faut faire plein de choses. C'est des choses qu'on n'a pas actuellement sur le RSE, donc c'est un peu plus de prévu. Ok, donc ce qui va être prévu demain, c'est cette liste-là. On va grouper c'est des détails, c'est groupe chat message, donc c'est quand on rentre, quand on écrit plusieurs fois, la même personne écrit plusieurs fois quand on tape sur entrée, on répète l'icône à chaque fois, donc ça alourdit l'interface. On va faire l'update sur les channels synchro, donc c'est comme sur Slack, il y a le topic, le purpose des channels. Qui sont affichés en haut, donc on va faire la modif rapidement. Travail sur mobile, j'aimerais bien faire les attachements à le search, c'est quelque chose qui est intéressant sur Slack, on utilise beaucoup pour ça aussi, pour s'échanger des documents. Ok, donc on va les rajouter, puis on va les indexer. Hop, et donc, petite démo. Et les emojis? Les emojis, ouais. Alors, là, je suis toujours en vue mobile. Comment j'ai fait hier? Pas moi. Vous avez dû le voir. Ah, c'est quoi ça? Peut-être. Mais c'est pas moi. Putain, c'est impossible. Non, j'ai deux mots. Vas-y, on va discuter. Ok, donc je fais coucou. Ça marche pas. C'est quoi ça, les gars? Ça marche pas, si ça marche, mais en fait je suis pas dans le même channel. Ok, je suis chez. Non, si c'est de la bad, là je suis dans général. Donc si je vais dans. Là. Ah, ça marche pas non plus. Ça a eu marché, c'est pas grave. Hey! Ah! Il est cool. Donc je le reçois pas quand même. On a vu, ouais. Toujours en desktop, c'est pas bon. Ça. Mais tu vois, c'est fini. Donc on peut switcher de channel, ok. On peut créer un channel. Ou. Topic et purpose, ça sert à rien, c'est ça. Si, topic, tu peux afficher. Ajoute un topic. Kader, vas-y, vas-y. Kader. Ah, go, allez, Kader. Tu vois, Kader, il est tout au long. Ah, et bah là. Pourquoi Kader? Oui, c'est simple, je me dis. Oui, c'est simple déjà. Comment? Ah, ça, c'est pas des. Ah, c'est. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, ça, c'est des channels publics, il n'y a pas de. Tout le monde est là. Qui sont en train. C'est pareil, là, il y a des trucs. Voilà, donc on a pas mal avancé aujourd'hui. Il y a encore pas mal de choses à faire. En utilisant des composants d'autres modules, on a quand même fait des choses qui sont pas mal. Voilà. Une question ?